La stupidité est à son maximum. Hey, what's up, KP? You're there for the end of the game. I'm gonna start the music already, actually. Hold up. C'est la fin, messieurs dames. J'ai envie de pleurer. Sniff.
Oh my God. The end. My character is gonna be gone after that. For sure. Hey! Il fait quoi, Gucci? Toujours bugger ça, tu veux toujours pas checker les gens. Non, je vais jouer moi. Ouais. Tu vois? J'ai réussi à faire une game. Là, t'imagines, il y a le fameux hacker qui va se ramener et qui va tous nous faire crash. Avant la fin. Slash info depuis le début, hacker faisait partie des locaux. Y a des rumeurs qui disent que le hacker faisait partie du staff avant, mais j'irais pas les croire parce que je crois que c'est. Enfin bref, c'est débile. Ça n'a aucun sens.
Va-t'en, coucher. Oh merde. On profite de la fin des gens, allez. Ah, son fail. Oups, je l'ai pas stun. Non, il y a plus de bug avant ça. C'est depuis qu'ils ont viré Chopper du stuff. C'est lui qui faisait de la merde. Ça, c'est un fait. Bah c'était un GM avant. What the fuck? je l'entends derrière par rapport à S4. Ah bon? I have no idea. Vite. Niveau des tools, il essaye de. Bah, toi, ça m'étonnerait pas. Parce qu'il y a un jour, j'étais en train de parcourir sur Reddit la rubrique S4 et j'ai vu des trucs à propos de certains GM et. Donc voilà quoi, mais. What? Pourquoi ils sont trois d'un coup? Stone. Wow. Oh, j'ai pris tarif.
Ah, t'es mort. Bordel, j'ai rien pu faire. Regarde bien Terry mourir. Le taxi il était merveilleux. Ah, t'as reset. Ouais, dégage. Et merde. Oh. Pourquoi y a un verre? Try what? Qu'est-ce qu'elle me sort à chaque fois? Qu'est-ce que je vais stream moi après S4 les gens? Ah oui, il y a FTL qu'il faut que je reprenne parce que j'ai téléchargé le mode ultra hardcore de FTL. Qui va sûrement me faire en chier, mais ça va être drôle. Mais à part FTL, je peux stream quoi? J'ai le seum. Apparemment, il y a Xero qui devient pay to win. Lol, j'ai reçu un screen tout à l'heure, ça avait l'air marrant. J'ai bien fait de quitter le serveur. Ouais, ils ajoutent des. Ils ajoutent de la monnaie que tu peux acheter avec de l'argent réel. Pour avoir des trucs spéciaux, genre je sais plus quoi. Il y a des stats aussi maintenant, donc. Xero, ça devient pay to win, MDR. Ça va être drôle. Il me faut déjà stream.
Le message est en conflit avec le stream. T'as pas le droit de Xero? Oui, j'ai ban le mort de mon stream. Parce que les gens venaient le spam tout le temps. Ça m'a cassé les couilles. En fait, je l'ai fait parce qu'il y a quelques jours, il y a un gamin qui s'est ramené avec ses potes. Et ils ont spam ça dans le chat non-stop pendant un bon bout. Du coup, ça m'a cassé les couilles. Du coup, je les ban le mot. Après, ils se sont cassés. Tant mieux. Ouais, c'est celui-là. Et moi, je les ai payés parce que je croyais que le serveur il allait être bien. Mais en fait, le serveur c'était de la merde donc. En vrai, s'il n'y aurait pas le problème de range, j'y jouerais sûrement avec Xero, mais c'est vraiment le truc qui me fait plus chier. Allez, jouons à peine un peu. Ouais. Bah là, tous les serveurs privés ont des macros comme ça maintenant. Dominion, Xero, S4 Max, Zinc, ils ont tous les macros, donc cherche pas. What? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oh, c'est trop bizarre, regarde ça. Wow. Gros, ça me perturbe. Pourquoi y en a un qui est plus grand que l'autre? What? Pourquoi? Ah, il flotte. Oh, c'est curse. Oh, c'est tellement curse. Un script pour la fin. Oh, c'est curse.
Bon, si dans ça, je vais me faire une Rome. Allez. Pourquoi il a pas kick le katana lui? Il reste 1 h 10 min. Il y a mon deuxième écran, comment ça? Il a cassé les couilles encore. Il a décidé de remarcher temporairement, ça tombe bien. Son suicide, il était beau. Pas que je parle trop fort parce qu'il est quand même 2 h du mat ici, enfin 3 h presque. Ah, j'ai pas eu la balle de sérieux. HPSP sélectionné, ouais. Bon bah j'ai servi à rien, j'ai mal eu ta jambe. Ok, je vois le topo.
Qu'est-ce qu'elle me raconte? Je crois qu'on va aller faire du Capitaine Édition après, quand l'escadre sera finie. Pour me changer les idées. Parce que ça va me casser les couilles. Tu te rappelles de FTL, Frofro? On a joué des centaines d'heures à ça. Ouais, et bah j'ai téléchargé le mode de la communauté, parce que c'est un jeu qui a pas de mode de base. Et du coup il y a la communauté qui a fait ses propres modes il y a longtemps, mais c'est une communauté anglophone. Et c'est un mode ultra hardcore. Quand je te dis ultra hardcore, c'est que le jeu il est déjà bien compliqué à la base, quand tu le connais pas. Et encore il y a beaucoup de random. Et là c'est un mode ultra hardcore. Et il y a enfin eu un patch FR fait par la communauté. Et du coup je vais l'essayer. Je l'ai téléchargé, j'ai réussi à tout installer. Il reste plus qu'à l'essayer. Reste à savoir à quel point c'est hard. Parce qu'il y a des nouvelles armes, des nouveaux vaisseaux, des nouveaux events, ils ont tout changé. Ils ont reskin les armes, ils ont reskin les personnages. C'est du vrai ultra hard quoi, ça va être bien. Wow. Il reste 1h05, j'arrête pas de regarder le temps à chaque fois. Bah si, il faut. Parce que je vais lancer une vidéo dans les 10 dernières minutes pour la poster. Ah. Et pourquoi il la repoche le con? Un vrai boulet. He's AFK again, are you kidding me? Faire. Bah il y a plus de Discord. Le Discord ils l'ont supprimé. Ils ont fait un deuxième Discord pour la communauté, mais je crois qu'ils vont le fermer aussi.
Si c'est pas déjà le cas, j'ai pas regardé. Ils ont supprimé le Discord officiel quelques jours après l'annonce. Attends, est-ce qu'ils ont supprimé l'autre Discord de la commu? Non, il y a encore là le Discord de la commu. Je sais pas s'ils vont le délit celui-là. On est en train de gérer en 2v3. Ça va. You got this pussy. Yeah boy. Oh. He's still AFK. I'm not even gonna call it. It's funny to play to Witcher for the end of the game. Because we got this. Yeah, boy. Oh, wow. Yikes. Run, Tartar, run. Remontada, amigo. That's what I'm talking about. 1 hour left, boys. 1 hour. Yikes. Ooh. Yep, all gone. Oh, come on. How did I miss that? Break the bridge, you dumbass. Oh, did you saw that push? That was so close. The clutch, boys, the clutch. Hey, easy peasy lemon squeezy. Oh man.
What the fuck is he doing? Which is like dead or no? Is she out? No, she like that. Why? She won't be there for the end. I need to play before the end, guys. Yo, there's so many people logged on right now. At this hour. Je sais pas si je peux faire une vidéo avec le stream. Attendez, je fais un test. Je crois que ça va lag comme le porc. Ouais, je vais laguer comme un porc si je fais une vidéo en stream. Aïe 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 aïe. Ah, c'est l'enfer, je peux pas faire de vidéo pendant le stream. Avant je pouvais, maintenant je peux plus. C'est fun, hein. Il y a Oreo qui vient.
que la AFK, ouais, tout, c'était sérieux. Ah, ils sont tous AFK dans le lobby en attendant la fin. Il reste 40 minutes, 50 minutes. J'ai pas envie. Fais chier. Why do they have to close the fucking game for real? I'll be right back, I'm gonna make a coffee for the end. Oh, fucking hell.
Okay, I'm back. Ah, il y avait Nick. Qu'est-ce qu'il fait, Nick? Non, ça ferme dans 45 minutes. Le meilleur joueur kata, non, pas vraiment. Je me démerde, mais je suis loin d'être le meilleur. Il y a bien meilleur que moi, joueur katana. Genre moi, non, Nick. Connard. Ça me rappelle le travers, ça. Il va pas se mettre à râler, Tari. They have an AFK or... Ah non, ils ont pas d'AFK. Qu'est-ce qu'il fait, Auré? Pourquoi il suit? Ah non, il est AFK, alors, je sais pas. Tu me la fais pas à moi, je te l'ai fait pareil, t'es mort. C'est tout ce qui compte.
Il a quoi, 0 point? Ouais. Je l'ai vu charger son katana, ça sentait pas bon. Oh, connard. M'avoir fait chier dans le passé, ouais, ça se peut. Tu me diras, faut pas grand chose pour te faire chier sur S4. Non, il stunlock pas. En tout cas, je l'ai jamais eu faire personnellement, ça fait des années que je le connais, je l'ai jamais eu stunlock, mais... Tu me diras qu'on n'est pas tout le monde, hein. Ah, il a risqué toi toujours rêvé. Guys, 35 minutes.
Bon, d'accord. Oh, I got it. Hey. Fuck. I've been all around the world trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. I've beaten you before. I'm not sure about that, bro. I'm not sure about that one. On a peut-être le temps d'en faire une dernière après. Ça dépend à quelle vitesse elle va celle-là, mais... Dans tous les cas, je vais passer les 10 dernières minutes dans le lobby à faire une vidéo. Peut-être les 5 dernières, on verra. Donc par exemple, si je suis en game et qu'il reste 5 minutes, bah je quitte la game, on bat les couilles.
Ah, faut que j'y pense aussi. Avant de délit la gamme de mon PC, faut que je transforme mes screens. Bien vu. Ah, faudrait que je scanne tout mon inventaire aussi, c'est vrai, c'est pas con. Quoi que je vais juste le faire en vidéo. Pour la vidéo de la fin, je vais faire une petite vidéo de mon inventaire et. Et basta. Donc peut-être arrêter dans 15 minutes pour moi. En vrai, non. Ça va peut-être être ma dernière game du coup. Ouais. Inventaire, les amis, stats, tout. Faut que j'arrête après cette game. Ouais, donc j'arrête après cette game. Faire une petite vidéo. Oh, j'avais passé l'esprit pour la comète. D'accord. Suis tombé dans la lune. What? Alright, boys. C'est la fin. Bon, attendez, parce que je sens que je vais avoir des soucis de freeze si je fais un record avec le stream. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que je vais être en stream pour la fin, mais je vais aussi faire une vidéo. Donc, c'est là que ça pose problème. C'est qu'avec le record, je sais pas si je peux faire le stream. Bon, et puis merde, c'est pas grave. On teste. Encodage en surcharge. Ouais, ça va, freeze à mort. Attendez, je vais faire un test. Je vais juste faire ça. Hop, je vais arrêter l'enregistrement. Hop. On va check. Vidéo. Ouais, je sais que la vidéo va full bugger. C'est ça le problème. Ouais, non. Ouais, ça se regarde pas du tout, c'est. Ça full freeze. Ouais, c'est l'enfer. Sais pas comment je vais faire. Bah, je peux pas le faire en fait. Il faut que je choisisse soit le stream, soit la vidéo.
peux pas. Le live est téléchargé, ton dernier live. Après, je crois qu'on a la possibilité de télécharger un live. Avec Twitch, mais je l'ai jamais fait. Mais c'est où qu'on donne de la rediffusion, Nick? J'ai jamais check, j'ai jamais essayé. Vais t'envoyer un tuto sur Discord. Ok, cool. Bah écoutez, je relance le stream pour avoir une vidéo plus courte. Quoique. Non, j'ai pas besoin, c'est 1h14. C'est le dernier stream S4. Autant le faire jusqu'à la fin, non? Bah écoute. Je vais retélécharger toute la rediff complète, je vais pas relancer le stream. Donc c'est parti. On va commencer par le plus simple, les stats. La fin des scats. Tu viens dans une room, Nick? Je vais faire une room privée. Alors, on commence par les stats. Alors, S4, 147 jours de jeu sur le compte. C'est mon troisième compte. Donc, ça va. 22 691 matchs. 13 049 wins et 9 642 loss. Pour 50% de KD, ça va. Mon but, c'était d'avoir 30 000 matchs, mais je l'aurais jamais obtenu finalement. Les 7 touchdowns qui sont les plus importantes. 41 877,5 touchdowns. Mon but c'était 50 000. Sur ce compte, je l'ai pas fait. DM, j'ai jamais joué presque, donc voilà, chasseur non plus. Les autres, ça, je vais être franc, je m'en fous un peu totalement. Arena, voilà, Arena. Siège, j'en ai jamais fait non plus du siège. Bear non plus. Partons sur l'inventaire. 44 pages d'inventaire. On va y aller un par un. Capsule. Costume, il n'y en a pas. Mais les rifles, etc. J'ai ouvert toutes mes capsules récemment. Alors ça, évidemment, on a les capsules pour les skills unlimited en gun. Ça, c'était dans l'event Noël il y a 2 ou 3 ans. Ça, c'était un event quand ils ont sorti le mode. Ouais, j'ai vu le tuto, merci. Quand ils ont sorti le mode. Comment ça s'appelle déjà avec la balle là que t'envoies sur Hyperium? T'obtenais cette capsule quand tu gagnais. Totalement useless. Les trucs capsules, capsule Halloween. Évidemment, les récompenses matérielles. Récompenses d'émission. Et tous les sets que tu peux ouvrir au fur et à mesure. Qui s'en touche un jour, 7 jours ou 30 jours. La base. Mon inventaire d'armes maintenant. On commence à en mêler. Vous savez que je suis un joueur sword moi, donc commencer par la fin. Première arme que j'ai sur ce compte, la Crow. C'est vu de la batte et de la dague. Qui a été mon premier gameplay sur ce compte. Ouais, le TD passe. Ma première PS illimitée, ça a été ça, que j'ai obtenu en Fun Bishop. Une 10% avec ce skin. Ensuite, le Flame Katana que j'ai obtenu gratuitement quand ils ont sorti le pack. Ou quand t'achetais des AP pour la première fois sur un compte, tu obtenais le katana. Évidemment, les Taichi Toonblade qui ont fait un carton quand ils sont sortis aussi. Le skin, il est beau, donc les boots que j'ai eu quand ils sont sortis aussi, totalement useless. La Lucifer, puis ce qu'on fait avec le crafting. Encore des toons illimités à 10%. Des Mudfist. Katana évidemment parce que c'est beau. Les Binary Twin Blade, celles-là je les trouve stylées, même si elles sont un peu voilà. Plasma ici que j'obtenais en event, je l'ai eu 2 fois. En FP. Pourquoi pas. 2 fois le gate. L'Espadagger qu'on craft.
La Bloody, un classique. Une deuxième batte parce que pourquoi pas. Une troisième batte parce que pourquoi pas. La Sigma, la Cogwheel, qui sont un skin qui est assez unique, assez stylé, mine de rien. La Guillotine, qui pète le style comme toujours. Encore une batte, pourquoi pas. Mes armes peinent quand je joue en peine. La Golden Gibson, qui est une des plus belles PS à mon goût. Évidemment avec la Tesor. Hein. Et le Viola Katana, déjà avec le Katana qui est mon arme préférée. Et mon skin préféré de toutes armes confondues, c'est bien le Katana. Hein. Ce skin, il pète le style. Une PS 10% skin de base que j'ai eu en Phobie Shop. La base. En gun, je ne joue pas très très gun. J'ai commencé à jouer gun ce mois-ci. Donc, voilà. Pas beaucoup de gun. Hein. Le Dual Magnum, c'est... Vraiment, cette pose, ça fait pas très masculin comme pose, non? Le piranha. Le Laser 4, il est stylé. Il fait une de ses gueules, le Laser 4. Le Neo Spade, qui est sûrement un des skins les plus stylés pour les submachine guns. Jojo pose, ouais. Ça, c'est le skin le plus useless, celui que je déteste le plus. Les fish. J'ai jamais compris le but en fait des poissons. Et les submachine guns comme ça aussi. En gun. Le Diamond Argon qui est sûrement une de mes armes préférées aussi parce que c'est assez stylé. Et puis c'est marrant à jouer. Il y a le revolver skin FP en 1% que j'ai obtenu dans un event il y a quelques années. Puis je l'ai en FP aussi. Amesto Anik. La HMG. Le parapluie parce que. Voilà. C'est stylé un parapluie, non? Je suis pas d'accord. Le snipe, un truc que j'arriverai jamais à jouer sur ce jeu. Je l'ai en 10% ici obtenu au Fumble Gun. On a le Raygun en FP et le Sharpshooter. Le Sharp il est stylé, hein. Le Manchoke. Extrêmement moche. Le Mind Gun, qui est une de mes armes que je joue en gun. Le T-Watermelon Bomb. Le Rescue Gun. Celui-là, il est stylé. Le DJ Rescue Gun, un de mes skins préférés aussi. Il est vraiment stylé, je trouve. Et en skill, évidemment, à la base, hein, le Bleu, Golden, le HP, Launcher. Le Saucisse. Le Wings of Death. Plus de HP, le Golden Metallic, le Dual Mastery, le Skill Mastery, le Ice Block, la base. Le costume, bon. Une tonne de cheveux. Quand ils ont sorti le Net Shaman, tout le monde jouait avec cette coupe. Je l'ai jamais porté de ma vie. Jamais. Bon, moi j'ai l'habitude de mettre ça parce que, soit ça, ou soit, celle-ci. Parce que mes cheveux IRL ressemblent plus à ça. En termes de couleur. Mais en termes de longueur, j'ai la même longueur que le défilé en carrière, donc c'est pour ça que je porte ces cheveux-là tout le temps. À l'époque, quand j'avais pas de cheveux HP encore, je jouais toujours celle-là. Si vous allez dans mes premières vidéos, vous allez voir. Je jouais souvent celle-ci. Parce que j'avais pas encore de cheveux FP. Les visages. Évidemment, le Techno Shinobi, on n'en parle pas, il est moche. Le bandana, très stylé. Le Phoenix, qui est une face très convoitée sur le game. Celle-là, je l'aime bien, perso. À l'époque, je jouais le Blast aussi. Et surtout celle-ci, parce que j'avais pas de face. Lol. La première face SP que j'ai eue, c'est le Decepticon. Après les 7, bon, classique, hein, le Blex, on l'a plein de fois parce qu'ils en ont donné plein en gratos. Pareil pour le Techno Ninja. Tellement moche. Ça tombe sur la base, hein. Mon set préféré, le Shinsengumi, que me voyait toujours jouer sur mon deuxième perso. Avec mon accessoire préféré, le Net Clown. Le classique Six-Pack, le X-Mas. Le Backstreet Boy. J'ai aussi le Backstreet Boy en noir en illimité. Je l'ai pas au complet par contre. C'est du Foam Bishop. Lui il est no stat. Zéro stat. Le Military.
qui est mon set de Twin QC quand je fais mes vidéos avec Nick. La base. Le Winter Spirit State Paint, je l'adore. Il est extrêmement stylé. À cause de ça ici. Très bien foutu. Évidemment, les Power Rangers, on n'en parle pas. Tiens, petite anecdote sur les Power Rangers, si vous ne le saviez pas. Vous avez des tétons sur le Power Ranger. Si vous ne saviez pas. Maintenant, vous savez. Yo, mon Aori. Merci. Quoi d'autre? Le glitch qui a fait carton quand il est sorti aussi. Parce que le glitch, il fait des bons mix avec d'autres sets. Donc c'est... C'est un bon set pour les combos. Les Rebellious, qui sont vraiment aussi un des sets les plus utilisés. Parce qu'il est stylé. Celui-là est l'Underway aussi. Hein. L'Underway, un set qu'on voit partout aussi. Le Lock. En vrai, il est pas si moche le haut, mais il est compliqué à comment dire, à mixer avec d'autres pièces. Le Assassin, qui a beaucoup de personnes utilisent des pantalons. Moi, je les ai pas vraiment utilisés les pantalons du Assassin, mais il est très bien comboté avec le reste. Ces pantalons-là aussi qui vont bien avec beaucoup de choses. Alors évidemment, l'ours polaire, hein, parce qu'à la base. Shinsengumi. Ça, je l'ai eu en Fun Bishop. C'est moche. Le Blue Révolution, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont comme set. Pourtant, les pantalons, les bottes et les gants, ils sont stylés. Le haut, en vrai, je m'en passe le haut du Blue Révolution parce que je suis pas très très fan du haut. Il est quand même beau. Mais le set en lui-même, il est bon. En plus, il donne ce background. On va garder mon set pour la fin quand même. Hein. On va pas déconner. Alors en termes de gants, j'ai l'habitude de jouer cela parce que j'ai des bons enchants dessus, mais mes gants préférés c'est sûrement les Underway. Les Rebellious aussi, ils sont stylés. Le glitch, ça fait assez chelou sur certains items. Le Winter Spirit aussi est stylé à cause de ça, mais... Ouais. En termes de shoes... Un truc que j'avais l'habitude de combiner à l'époque, c'est quel set déjà ça? Ah oui, le pimp. Oups. C'est les glitches qui vont avec beaucoup de choses. Évidemment, il est celui de chez Sengumi parce qu'ils sont stylés aussi. Un truc que j'ai jamais aimé avec le Bloody Hunter, c'est que le set il est stylé. Sauf que ça garde pas en rouge quand t'es in-game, donc voilà. Bon, les bottes du X-Mass Traveling, hein, les bottes de l'Underway, les bottes du Rebellious, c'est toute la même chose. Enfin, non, Rebellious, c'est les souliers, mais vous avez compris le délire. Il y a comme 50 000 variants de ça. T'as celui de l'Underway, t'as celui du X-Mass, t'as celui du Saint-Patrick. Il y a celui du set de base en non FP. Et je crois que c'est tout. Je sais plus. Il y a eux que j'ai en HP plus 1 aussi du Backstreet Boy. Après, tu les as en FP aussi, évidemment. Mais les Underway comme ça. Le Guardian Protector, qui est un set que vous êtes tenu avec les missions. Ça fait longtemps, ça. La mission des 1500 parties jouées et des 1000 touchdowns faits, je l'ai complétée, mais une chier de fois. Les accessoires. Mon accessoire préféré qui est évidemment le nez rouge. Il y a aussi le chapeau du Stadium Boy qui est stylé. Les écouteurs. Le Mingyu Max que j'ai joué pendant un moment. Qui se combat bien avec des choses. La Big Pumpkin Head qui est une monstruosité. Voilà. Ça on l'utilise pas. Hein. Jamais. Il y a ça que je portais en Eva. Lol. Ça va. Pas trop nul. Pas trop moche.
Il y a beaucoup de personnes qui jouent avec le truc Ninette Shaman, mais moi je l'ai jamais vraiment kiffé. L'extra-hat, c'est stylé, ça va. Le top du Dark Assassin qui va bien avec la face du glitch. Que j'ai pas. Ah si, je l'ai. Ça fait un mec chelou en fait. Si vous mettez. Elle est où? Celle-là. Ok, vous mettez la face du glitch. Hop. Ça fait un truc chelou que j'aime bien, moi. Ouais. Moi, j'aime bien. Mais bon, chacun son délire, comme on dit. Hein. Mais mon nez rouge. Et les items, bah voilà quoi, les change nickname x100, les Dell, les Gear, les Cell, les Candy Bait qui étaient dans un event, les Spring Coin qui étaient encore un event, les X-Mas Coin, battre Rabbit Peace pour faire le Stormbat, les Michibu Santa Fumbi, ça fait longtemps, les Halloween Token de 2015, les Summer Token. Ça va nous manquer les events. Hein. Ça va nous manquer. Et après, on va passer aux enchantes. Évidemment, ma batte, hein, qui a été connue pour ses 19 enchantes. Pareil pour ma dague. J'ai toujours voulu la passer à 20, mais j'ai jamais réussi. J'ai pas mis un seul AP, pas un seul centime sur l'upgrade de mes trois principales armes pour l'upgrade. J'ai tout eu en gratos avec les events ou avec des conneries du genre. Et j'ai jamais réussi à les passer à 20. C'est quasiment impossible. Le taux est de 0,0001% entre 19 et 20%. Entre 19 et 20, donc bonne chance. Ouais. Les gants que j'aime bien en termes d'enchant, c'est ceux-là parce que j'ai le critique level 4. Taux de critique elle est à tour niveau 4, donc ça c'est bien. Sinon classique, hein. Il faut la vitesse de mouvement et basta. Ah, ça va me manquer S4. Hein. Après, il y a encore des privés, mais je vais pas beaucoup jouer aux privés, les gens. Donc, j'utilisais quelle face moi déjà là-dessus, j'ai oublié. Celle-là. Et voilà. Il nous reste 8 minutes avant la fermeture globale de S4. Donc on va attendre ensemble les gens. On va attendre tranquillement à la fin des scouts. Qu'à faire de la vie, bah je sais pas. Je sais pas, Kat. Tu sais ce qui est marrant? C'est que hier je suis allé me coucher et je me suis dit tant pis si je le manque, tu vois. J'étais en mode bah les couilles. Et je crois que mon cerveau était pas d'accord. Je me suis réveillé normalement, tout seul, comme un grand, à 1h du mat. Il y a mon horloge interne qui a fait, tu te réveilles. C'est tout. J'ai crash pendant que j'étais dans mon inventaire. Ah bah, t'as le temps de revenir, il reste 7 minutes, normalement. On va ouvrir la home. Moi, ça vient de me prendre, allez, 20 minutes. J'ai montré mon inventaire. On a parlé des stats. On a parlé de certains trucs. 4. Je veux un dernier hug avant la fin. C'est un plaisir de te connaître. Qui d'autre y a? Ah, t'avais qui se reconnecte. Oreo est connecté, il est en train de jouer, j'imagine. White qui est AFK dans le lobby depuis 10 ans. Ma liste de bloqués, qui est longue comme l'infini. Ouais. La base. C'est la fin, les gens. Ma liste d'amis, tiens.
On a Red, on a Smelly joue plus, Ventis et Chavit, Kuchi, on a Zen, on a Genkai qui est Shiro, qui est Majin. On a Blue qui joue plus, Nublade qui joue plus, Anekawa elle joue encore, Kira elle joue plus, Alex je l'ai pas vu depuis un bout, Nubis mais joue plus, on a Froufrou juste ici, Blizzard, Namo il joue plus, Sai elle joue plus, Kazu il joue plus, Akuri il joue plus, Blank il joue plus. On a Ek. Ça c'est un ami à Blizzard. Maelia. Kof Kof il joue plus. Jayne, elle sera pas là. Elle joue encore. Pumpkin il joue un peu. Miu elle joue plus. Flamish qui va manquer la fin des scouts. BJ il joue plus. Rosa elle joue plus. Sav qui va manquer à la fin. Sky, la base. Oh, puis le reste est connecté quoi. Yes. Non, mais toi, je sais, moi c'est parce que j'en supprime des fois donc. Viens, Kat, on va prendre le dernier screen. Viens là. Je veux un screen pour ma rediffusion de stream. Parce que cette rediff, je la poste. Voilà. Un petit screen. Merci. Salut Nacrob, il reste 5 minutes les gens. 5 minutes. 5 minutes. Et après on va bouger sur FTL. C'est pas la fin du stream. Non, va falloir que je relance le stream. Mais ça va être la fin de la VOD. Je sais pas, Kat, je sais pas. On a Alex qui vient d'arriver. Viens, Alex, je m'en donne les câlins. Voilà. C'est la fin, les gens. 4 minutes restantes. Oh merde. Ça fait chier. 3 minutes. Trois minutes, les gens. 3 minutes. Je sais pas quoi dire. C'est la fin des scats. C'était une aventure de 13 ans. Enfin, de 12 ans et 4 mois. 5 mois, vu qu'on est à la fin du mois. C'est la fin. Il reste 2 minutes. Deux petites minutes. Ça fait un meilleur screen, ça. Voilà. J'ai pas envie. Les serveurs privés, c'est pas top en ce moment, donc. Attendre qu'il reste vraiment 1 minute. On prend des screens. Allez, c'est la fin.
Adios, amigos. Adios, espoir. C'est la dernière minute. C'est la dernière minute, messieurs dames. Est-ce qu'on va avoir une déconnexion globale ou est-ce que c'est un troll? 29 avril de 10 h AM, heure européenne. Il reste environ 30 secondes, un peu moins. You can't play, the game is closing in 1 minute forever. Il est 4 heures. Il est 4 heures, ça devrait fermer. On a dépassé la fermeture de S4 de quelques secondes. On a dépassé la fermeture de S4 de quelques secondes. Attention. Global Deconnection Incoming. Quelqu'un peut lui dire à ce petit qu'on peut pas jouer S4? Est-ce qu'il réalise qu'il est sur un stream de fermeture de jeu? Ah, je croyais que ça avait terminé, c'est Kelsey qui a changé de perso, putain. Tu vas me faire pleurer, Kelsey, avec tes conneries là. Je suis en stress. Il est 4 h 01, on a dépassé la fermeture de 1 minute. Je bouge pas tant que c'est pas fermé. Imagine gros prank, quoi. Ouais. La fin du jeu. Non, moi j'ai, on a eu l'info d'un GM en privé. Tabi qui a eu l'info pour moi, donc. Ravi de me rencontrer. Il parle pas très français, lui. Fait chier. Allez. Dernière clope. Certaines personnes comprendront pas pourquoi je suis en stress en ce moment. Mais. Ça fait 13 ans que je suis à jeu. Commencé, j'avais 12 ans. J'avais même pas encore la puberté de ma vie, quoi. Je connaissais même pas le sexe. Là, j'en ai 25. S4 a bercé ma vie, les gens. S4 a bercé ma vie. Ouais. Et quand je t'ai connu, t'avais quoi? La première fois qu'on s'est vu. 13-14? Et on s'est retrouvé dans Xekas quand t'avais 16, je crois. Ou 15, je sais plus. Oh la main gros, t'imagines pas. Hein. Oh, je suis pas bien. Pff, 14 ou 15, ouais. Tenez pour vous, on va mettre le chat Twitch pour la fin. À l'enfer.
C'est horrible. C'est juste horrible. Putain, ils ont dépassé de 4 minutes, hein. C'est quoi il fait? Ok, ils disent que je suis pas connecté à Twitch, tout va bien. Ouais, notre enfance est terminée, les gens. J'ai pas envie de fermer. J'ai pas envie de fermer. Attendez, je prends un dernier screenshot. Voilà. Le dernier screenshot de Scott. À vie. Oh non, j'ai fermé le chat. J'ai pas envie de cliquer. Eh ben écoutez les gens de la VOD, c'était le dernier stream S4. J'espère que ça vous aura plu. C'est la fin de l'officiel. Adieu.